Salut les amis, j'espère que vous allez bien les gars, les frérots, les sœurettes, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui les gars, nous allons regarder la suite de Hamza et Memphis, voilà. Avant de commencer les gars, un petit instant, il faut que je vous parle de MyHeritage qui sponsorise cette vidéo. Les gars, MyHeritage, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une dinguerie, je préfère vous le dire, il n'y a pas de secret entre nous. Si vous voulez découvrir qui sont vos ancêtres, connaître l'histoire de votre famille, écoutez-moi jusqu'au bout, ça va vous intéresser fort. Le site crée automatiquement pour toi ton arbre généalogique et retrouve tes ancêtres. Sur le site, t'as juste à mettre ton nom, prénom, date de naissance et ceux de tes parents et grands-parents. Et c'est magique, je vous jure, en 2 minutes, il te retrouve des gens de ta famille parfois que tu ne connais même pas. Ça se trouve, l'un d'entre vous va découvrir qu'on est de la même famille. Ça se trouve, là, tu vas découvrir que je suis ta tante. Vraiment, c'est y a moyen. Le site va aussi te trouver des photos de ta famille que t'as peut-être jamais vues. Genre, par exemple, je sais pas moi, une photo de ton arrière-grand-père au Five de Bobigny. Et même des documents historiques et des archives comme des actes de naissance, de mariage, des articles, etc. Et c'est pas fini, t'as une fonctionnalité Smart Match qui continue de chercher pour toi tous les jours et qui t'envoie une notification dès qu'il trouve d'autres infos sur ta famille. Grâce à ça, moi, en quelques mois, mon arbre a grandi de malade. Pour les photos, il y a un autre truc que tu vas kiffer. Tu peux prendre une vieille photo de famille, tu la prends en photo avec l'application mobile ou tu la scannes et tu peux la réparer si elle est abîmée, la mettre en couleur et même l'animer. Et si tu veux, tu peux même la faire parler pour raconter une histoire. Là, je vous montre un petit Salut exemple. Salut les frères et les sœurs. C'est Gontran. Voilà, un truc comme ça. Et tout ça, les frérots, les sœurettes, vous pouvez le tester gratuitement pendant 14 jours. Donc, en cliquant sur mon lien dans ma description, donc profitez-en à mort. Et si vous voulez poursuivre l'abonnement, vous avez une réduction. Écoutez-moi bien, sinon je vais m'énerver. 50%, 50% de réduction. Profitez-en, les gars. Sans plus tarder, passons tout de suite au générique. Sit down. I have a problem. Your problem? I have to poop. Poop. I have to poop. Je comprends pas, vraiment je comprends pas là. D'accord, on rentre direct dans le vif du sujet là, d'accord, ok, je vois. Excusez-moi, à quel moment c'est un problème d'avoir envie de faire caca? Expliquez-moi s'il vous plaît. Ah, mais ça veut dire que j'ai des très très gros soucis moi tous les jours. À quel moment c'est un problème d'avoir envie de faire caca? Allô frérot? Ouais, là j'ai un gros souci, là j'ai un gros souci, j'ai besoin de watts. C'est quoi, y'a un bruit frérot? Non, non, y'a caca là, y'a caca. Poop. I have to poop, my stomach hurts. Sorry. Can we go poop? Pourquoi il lui a fait un bisou? Pourquoi il lui a fait un bisou? Elle lui a dit j'ai envie d'y hèche. Oh, oh viens, 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 je t'embrasse. Viens, je t'embrasse ma chérie. Elle a envie de poser un cake, il la galoche. Ouais, baby, ouais. Ok. Wesh. Wesh, wesh. Excusez-moi, là on entend des trucs, hein. Je suis pas fou, hein. Je suis pas fou. Hein. Baby? Yes? It's okay? Yes, I'm still pooping. Ah. Non, là, je vais péter un câble. Je vais péter un câble, les gars, là. Non, c'est bon. Ça m'a fait du bien. Je vous jure, ça m'a fait du bien. Faites ça, hein, je vous jure. Quand ça va pas, là, quand il y a des trucs qui vous gênent, un petit jab à votre bouteille. Frérot, c'est quoi ce bordel? Elle est en train de crier au shot. Normal, normal. Et lui, il lui parle à côté comme s'il était dans Fort Boyard. Good job. No, not yet. Almost. Il lui a dit good job. Good job. C'est bien mon ref, c'est bien. Vas-y, donne tout. Casse tout, casse tout. Baby. Munition? Me done. Ah ouais, l'autre il prépare à bouffer à côté des shots, normal. L'autre est là. Ah, ouf. That was long. Wesh, on dirait elle a accouché. On dirait elle a accouché de jumeaux. Non mais sérieux quoi, c'est quoi ce bordel? Body's not reacting the best way to Tunisia. But I mean, what can I do? You know, this is what I signed up for. Thank you. Franchement, je suis pas sûr que les jus d'orange du bled ce soit un bon remède pour la diarrhée. Hein. Vraiment, je sais de quoi je parle. Je maîtrise le sujet. Thank you. What is this? Juste d'orange. Elle a dit what is this? What is this? Elle a pointé du doigt un jus d'orange, elle a dit what is this? C'est un vélo. C'est un vélo, goûte, goûte, c'est un vélo. This is the room? Nice. This is the whole room? Yes, come on. Ça va bra là ce soir là, ça va chouchou. Ça va choupa choupa. Do you drink alcohol? L'alcool mange pas ça va, mais pas de l'alcool.
Ah bah là, c'est quelqu'un de très spécial. Hein. Là, on a affaire à quelqu'un de très particulier. Two Grey Gooses. More vodka. More vodka. More vodka. Yeah, and both. Serveur, il veut pas mettre les deux. Just one? Non, because it's haram. Non, mais je préfère vous prévenir. I'm not responsible. We haven't slept together since the first night when I got to Tunisia. It was fast. It's like 30 seconds and done. Ah, 30 secondes quand même. Hein. 30 secondes, c'est du rapidos. Hein. C'est... Ah ouais, le frérot, c'est une pasta box. 30 secondes, t'as le temps de manger 3 bonbons en 30 secondes. 4 max. So, this is his chance to really show me what he's capable of sexually. You like yours? I'm happy. Il veut vraiment faire zéro effort en anglais, lui. Il y a pas de progression. D'épisode en épisode, j'ai l'impression qu'il régresse. I am happy, il a dit. Don't drink too much. You may not be able to do sexy time. I know. No problem. I am drinking sexy time. Okay. Ah ouais, il y a plus de gêne. Hein. Il y a plus zéro gêne. Hein. No, whoop, whoop, là, whoop. Whoop, whoop, whoop. Married while I'm here. Don't want to go back to the US. Be in a relationship with you. No, no, understand, baby. Vraiment, il déçoit. Je pensais vraiment qu'il avait compris. J'ai pas compris. J'ai pas saisi. Lui, il faut vraiment juste lui parler de Huck. Voilà, là, il capte. Là, il est tous ses sens. Vraiment, il a tous ses sens qui s'activent. Lui, c'est que boobies, sexy time. Voilà, faut lui donner ses mots-clés, là. What? You mad? Me? Yes. Yeah, me mad, yeah. Comment ça, me? Vous êtes que deux dans la pièce. Me? Me? Parce que le serveur, moi, je sais pas. Il était normal quand je l'ai vu. Quoi? J'ai l'impression qu'elle est plus intéressée par les papiers que par moi. Attendez, là, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, là. Non, sincèrement, là, c'est le coiffeur qui se fout de la calvitie. Pas sûr de cette expression. Ah l'enfoiré, il retourne la situation. Said, marry me. You like Hamza, you like mariage. You don't know. You like me, or yeah. Like mariage. I like both. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Ça n'a aucun sens en plus. Tu aimes moi ou tu aimes te marier avec moi? C'est quoi? Dis-moi, explique-moi. I had sex, was very fast and furious. But I really feel so much more relieved because he did perform for me last night. Belle performance, non mais c'est ça, pas la tête. Ça va pas la tête? Une belle performance, mais qu'est-ce qu'il a fait? C'est quoi, frère? Il a craché du feu? Il a fait quoi? Il a fait un showcase? Il a fait une belle performance, à dire. Elle a parlé de lui comme si elle avait vu le concert de Laylo. Do you have any savings in the bank or any money anywhere or are you just broke? Ah ouais, j'ai cru que c'était Siri qui parlait. Frère, elle a une voix. Elle est plus insupportable que Siri, j'ai juré. Hein. Non. When we get to the US, I hope that you understand. Et il est en train de rêver du passeport là. Et il est en plein rêve là. Il pense qu'à ça là. Il en a rien à secouer de ce qu'elle raconte là. Understand that I want everything to be 50-50. Stop. 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 Why? I am sad now. Quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Arrête. Je suis triste. Et c'est pas la bonne émotion, je crois qu'il s'est trompé d'émotion. Je crois qu'il voulait pas dire ça. Et il parle vraiment au pif hein. Vraiment. Arrête s'il te plaît. Stop. Je suis abasourdi. قررت بيني وبين روحي باش نهز المنفس البلاصه مزيانه قمو بيبي اوكي ان اندرو رومانتيك و است كي فا نوز امني سو جيني حمزه وات ار يو دوينغ سربرايز سربرايز il va sortir un sabre surprise alors comme ça je suis en 30 secondes hein come on. Oh my gosh, it's so pretty. Ah, la mytho. Elle est tellement jolie, elle est en train de flipper, là. Elle est en train de paniquer, là. C'est tellement joli. Steve, okay? What? Hold on. Steve, 1 minute, okay? Comment ça, reste là, 1 minute? Qu'est-ce qu'il va faire, là? Là, c'est le début d'un fait divers, hein. On est vraiment pas loin le début d'un fait divers, là. Attendez, elle est toute seule dans un endroit désert. Juste à côté d'elle, il y a un puits. Il a un sac dans la main. Franchement, moi, je suis elle. Je suis pas sereine. Non, ça va, à sa place, moi, je serais terrifié. Hein. What are you doing?
Je suis mort, les moutons on dirait pas, ils savent c'est bientôt le ramadan. J'ai juré dans leur regard, ils savent là c'est bientôt là. I'm kind of like looking around, like who's gonna come out and like get me. C'est qui lui? C'est qui la huisse? C'est un complice. Non, sincèrement, c'est un complice, lui, c'est sûr et certain. C'est sûr, il cache une mitraillette là en dessous de son truc chelou là. And there's random animals around, so I'm like, am I gonna be someone's dinner tonight? Oh, je suis mort. Et il s'est changé derrière les moutons. Non, mais là, il est habillé tout en blanc, je pense qu'il va la demander en mariage. Hein. Habillé tout en blanc comme ça là, ça sent la bague. Hi! You look good. You look nice. Why you dressed up? Et c'est là qu'il dit, bah en fait j'ai un entretien d'embauche cet après-midi chez Renault. Voilà, là j'ai un rendez-vous à 14h. Nothing a surprise. You got a little booty on you. Yo big boy, come on. Oui bon ça va, on vous dérange pas là? Ça va? Le caméraman aussi hein, apparemment lui. Hein. Peut retirer ta main de ton falzar. Hein. On en a assez vu. Where are we going? Come on, baby. What? Oula, qu'est-ce qu'il fait tout là-haut? Non mais c'est quel genre de demande de en mariage ça? Qu'est-ce qu'il fait tout là-haut? C'est quoi si elle répond non, il la pousse? Je sais pas, je... Ça serait malin de sa part. Ah la pression que t'as si tu dis non. Oui, c'est bon, vas-y, oui. Baby, listen to me. Qui, bah, il a rien dit. Frérot, il a dit écoute-moi et il a pas parlé. Bébé, écoute-moi. Tu m'entends quand je parle? Baby, you are my happiness. You want to marry me? Ouh! Hey, ça va, il a fait un effort. Hein. Il a appris la phrase pour lui dire, pour lui faire la demande. Franchement, là, bravo. Après, j'avoue, je vous mens pas, j'aurais kiffé qu'il lui dise juste sexy time. Non, là, franchement, là, c'est bien, là, c'est classe. Mais par contre, l'endroit, frérot, là, c'est pas normal. Do I? I don't know. Do I? Yes. Comment ça, je ne sais pas. Comment ça, je ne sais pas. Attention, je vais retaper dans le. Attention, hein, je suis à deux doigts. Bah voilà, c'est parti. Non, sérieux, comment ça, je ne sais pas? Frérot, ça fait 90 jours, là, il est sur tes côtes, toi aussi, et tu dis, je sais pas. Frérot, le concept de l'émission, c'est de vous marier. Comment ça? Je ne sais pas. Je comprends pas ce raid, là, qu'est-ce que tu fais? Je ne sais pas. Je vais péter un câble. Hein. Do you trust me? Yes. You trust me about everything? Yes. Vas-y, lâche-le, il comprend rien. Il comprend rien, là, il est en pilote automatique, là, il te répond... À l'aide de ses connaissances, là. Okay, I'll marry you. Oh, and it's blinging. Okay, yes, I will marry you. Okay, yes. Putain, ça fait plaisir. J'ai juré la bague, là, il l'a prise du Hanout, là. Il l'a vendue au Hanout, il l'a prise. Love you. Love you, too. You like? Yes. Oula, le pire bisou de l'histoire. Hein, on peut le revoir, s'il vous plaît? Il lui a embrassé le pif, hein, on l'a bien vu, on a bien constaté ça. Non mais sincèrement, là, il a embrassé tout sauf la bouche. Hein. Big butt. Big butt. En vrai, il aurait dû lui embrasser le huc, hein. Franchement, vu leur relation, ils auraient pu, hein. Ça nous aurait pas choqué. Ça aurait été beaucoup plus cohérent, quoi. Voilà, veux-tu m'épouser? Ok, tourne-toi. Et voilà. Oh, sister. Waouh! C'est quoi cette démarche? Qu'est-ce que c'est que cette démarche? Qu'est-ce que... Attendez, elle a mis une robe ou elle a mis des plâtres? J'arrive pas à savoir là. Frérot, on dirait qu'elle a enfilé un carton. Non mais sincèrement, c'est pas une robe ça. Je suis désolé hein. Mais là, on est plus sur du toncard quoi. Hamza, il va la voir, il va être dégoûté hein. Elle va reprendre la bague, Hamza. Hein. Skina, elle rigole, elle sait pas qu'elles sont en train de la tailler en arabe. Ils sont en rien à foutre. Ok, guys, I'm ready. Ah. Là, on est plus sur un truc qui pourrait plaire à Hamza. Beaucoup plus. Now you talk.
You like it? Remets l'autre. Voilà, remets l'autre. Non, c'est un conseil. Voilà, je préfère te prévenir. Remets le carton, s'il te plaît. I do feel like I'm finally getting accepted by Hamza's mom and the rest of his family. Okay, I should. Hi, la vidéo est finito, people, les amis. Je sais, vous n'aimez pas quand c'est la fin, mais c'est comme ça. Toutes les belles choses ont une fin. C'est comme ça, je suis désolé. J'ai pas encore la suite, les frérots, les sœurs, j'ai pas encore la suite, parce que comme vous le savez, je vous l'ai déjà dit, la saison est en cours, les épisodes sortent au fur et à mesure, et moi je les prends. Voilà, les amis. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson, je n'ai même plus besoin de vous le répéter. Si vous avez kiffé, que vous avez passé un bon moment, mettez un commentaire, tout ce qui vous passe par la fucking tête. Je vous donne un exemple. C'était à la fois incroyable et savoureux en même temps. Voilà, vous mettez ça, et à partir de là, je saurai que vous avez kiffé. Je vous laisse éventuellement et obligatoirement mon Instagram, voilà. Sur ce, les frérots, les sœurettes, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Je vous kiffe, ciao.